Suite à la non-annonce d'un nouveau Splinter Cell à l'E3 2018, deux hommes ont décidé de se lever et d'aller chercher Sam Fisher par eux-mêmes. Voici leur histoire. Opération Sam Fisher. Guillaume, essaie de te téléporter avec l'hélico, c'est possible. Téléporte-toi un peu. Bah là, je me suis téléporté. Après, je sais pas si c'est avec l'hélico, mais pour l'instant, il y a des chances que tu sois en train de voler. Mais gros, tu t'es avec téléporté. Un pilote fantôme. Mais oui, il s'est téléporté. Je suis pas. Je suis. Regardez, c'est incroyable. Il y a personne dans le cockpit. En fait, Sam Fisher, il fait sa vie, quoi. Son IA n'est pas. Ah ouais, mais il tire sur personne. En putain, fait. Regardez ce que mon hélico, il est en train de faire. Mon hélico, il est en train de se barrer en couille parce que j'ai appelé à l'aide. Fantastic experiences. Ah ouais, non mais ça, c'est terminé. Ça c'est. Je suis même pas mort. À service. C'est te dire le jeu à service quoi. Ce jeu n'est pas réellement un service rendu aux joueurs. Hein. Non. Là on passe en mode sous-marin. Ah. Je saute. Ouais, hein. Théo est lancé. Je suis lancé. L'opération commence. Gros, j'ai la pression là. Mais qui de vous deux a la gâchette facile? Moi, j'ai la gâchette facile. Je vais pas le cacher. J'ai la gâchette facile. Maintenant, il faut que je fasse Bellec à pas me faire repérer avant d'arriver parce que si je me fais repérer, c'est foutu. Et Guillaume, il est déjà en bas. Guillaume est déterminé. Non, mais Guillaume est déterminé. Mais lui, il va chercher le camion pour faire le casse-bélier. C'est ça en fait. Ah ouais, et là, mais l'opération, elle est au poil de cul millimétré, mec. On a réfléchi comme des fous. C'est pour ça que je voulais streamer ce moment culte. Là, je suis en train de descendre lentement en parachute pour arriver directement dans la porte dans laquelle se situe Sam Fisher. Voilà, ça c'est première chose. Putain, je vais trop vite. Le vent, C'est la seule solution qu'on a trouvée. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour pas se faire repérer. Donc là, on est vraiment en train de faire un truc épique. Ceci n'est du pas. Du coup, tu vas prendre Sam Fisher. Voilà. Et Guillaume va venir. Il va faire bélier. Et Sam Fisher et toi, vous montez dans la voiture. Et vous... Ceci n'est pas pour les mineurs. Voilà. C'est hit en fait ce jeu. C'est vrai, là j'ai réussi la mission, je suis rentré sans me faire repérer. We are not forgetting Splinter Cell. La carte Regardez elle est pleine de. La précision de cet homme. Voilà. Ouais. Maintenant il va falloir que je tienne le siège, ça va être très compliqué. Là l'objectif va changer, ça va être protéger Sam Fisher. Donc là je suis en mode shooter. Là je suis en mode FPS de bâtard. Et là Guillaume il faut que tu arrives immédiatement si tu peux. Mais non, regarde, ça bon. Y est, ça débarque. Défendre la position. Putain Guillaume, t'es juste en bas, t'es excellent mec. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais il est là, hein, il est là. Il est bon lui. Il a écrasé un mec Guillaume, il a écrasé deux mecs. C'est l'écrasement de tête. A.k.a. la section d'assaut. Putain il me tire dessus. Putain Guillaume, je te veux focus sur cette mission. Ah j'arrête pas de buter, bon vas-y je sors vite. Tu cours vers l'étage ou pas? Ah je vais crever putain. Oh non il est mort bordel. Mais le camion là c'est une bonne idée hein. Vaut mieux que tu meurs ou vaut mieux que tu vives? Vous êtes à 20 mètres. Je peux pas venir. Ils vont me tirer dessus. Là, je reviens. Tu reviens. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais j'essaie. Oui, j'essaie de te sauver. C'est bon, je vais vivre. Vie, mon pote, vie. Vie. Ça tire de partout. Il est déjà mort, Guillaume là? Ah ouais, là, je suis remort. On réveille Adrien ou pas? Non, je rigole. On réveille Adrien ou pas? Je rigole. Putain, je suis mort, Guillaume. Non, mais là on est bon. On est mort, hein. Je suis mort. Non, t'es pas mort. Hein. Je suis mort. Fantastic experiences. Allez, bah, je saute. Putain de merde, je me suis foiré, les gars. T'es sérieux? Je me suis foiré dans mon saut. J'ai été trop... Ah ouais, ah merde. J'ai été trop épique. Attendez, j'ai encore une chance de m'en sortir. Putain, les gens, regardez ce stream et dites-moi si je suis pas l'une des personnes les plus impressionnantes du stream. J'ai réussi, mec. Je suis rentré derrière un mec en mode infiltration. Ouais. Oh, infiltration de ouf. Infiltration de Sam Fisher photo. IA calamiteuse. Mais t'as vu, j'ai poussé un sac de sable et Guillaume, je suis en mode siège. Tarla, Rainbow Six siège. Rainbow Six siège, c'est quand t'es fatigué, t'as besoin de t'asseoir et tu joues à Rainbow Six siège.
La dame, c'est Rambo Six, chiaise. En fait, faut que je tue les snipers en premier lieu. Guillaume, je compte sur toi pour venir me sauver. En fait, ce jeu, il est trop bizarre parce que tu te dis que ton pote, il va venir te sauver et au final, il vient pas te sauver, tu sais. Il meurt avant de venir te sauver. Oh, bah ça va. Bon, il y a des rebelles qui arrivent normalement. Ouais, bah, je veux bien qu'ils se rebellent un peu, les rebelles. La ferme se rebelle. Il y a un film ou une série comme ça, les jumelles se rebellent. Ah oui, mais aussi Sister Sister. Ah, ça c'était cool. Putain mec, t'as fait un truc, t'as fait tout péter là, je sais pas ce que t'as fait. C'est bon, on a fini la mission, il faut évacuer Fisher maintenant. Mais pourquoi il fait rien, Sam Fisher, c'est quoi cette mission? Non, mais c'est chelou. Escorté. Attends, je perds ma vie. Attends, il est où Fisher? Me pousse pas, poteau, il me pousse. Non mais attends, Fisher, il est pas encore là. Ah non, il faut l'escorter. Cousin, il fallait appuyer sur escorter. Cousin, il est où ton camion? Reste avec moi, poteau. Reste avec moi, poteau. C'est le gros là? Bon, écoutez, voilà. Je suis dedans, vite. Non, je suis dedans, j'ai pris un autre camion. T'inquiète, okay. Vas-y, fonce. Attends, laisse Fisher monter. Putain, il y a un missile, Oh putain. Il y a un missile. T'as vu tout le monde qui y a, toi? Non mais gros, j'ai rien vu, là je fonce. On fonce, putain de merde. Les grenades, attention les grenades. Guillaume, il faut que tu m'aides. Guillaume. Je t'ai ouvert la voie. Ouais, c'est bon, putain de merde. Les gens, je sais pas si vous regardez le stream. C'est où qu'on va, cousin? C'est bon, on a réussi. Je suis là, je suis la route, poteau. Les gars, on a réussi. Toute la sainte journée. Je suis derrière toi, mon ami, On a réussi à sauver Fisher. Mais je vois absolument rien. Non mais on a réussi à sauver Fisher. Ouais, il fait nuit, hein. Putain, on a réussi, là. Bravo. Non mais ils nous suivent, les mecs, hein. Ils sont en train de me cartonner la gueule. Bah, tu sais quoi, couvre-moi en restant derrière. On a réussi. Tu voudrais pas que je monte derrière toi, mais sur la Gatling. Mais j'ai pas de Gatling, mec. T'es où, toi? J'ai un vieux pick-up, moi. Putain, Fisher, t'es un bon. Viens dès ma bande. Oh là là. Bah, moi je prends la Gatling. Tu conduis toi et puis moi je prends la Gatling. Vas-y, et Fisher il suit. Nous avons à faire un jeu fun. Mec, regarde ce qui se passe devant nous. Il y a un barrage. Je tire. Ouais, t'as bien vu pour la voiture. Je tire. On est à 2,2 km. À vol d'oiseau. Il y a un hélico, il faut que je le canarde. Ouais. Putain, c'est épique. C'est épique. Là, ce que tu vis, Pazou, là, ce que tu vivras, pareil. Hein. Je suis témoin, non, mais vraiment, c'est cool. Hein. C'est seulement sur barbeculive.com. Je te fais les petites merguez. Hein. Putain, j'ai putain. Ouais, t'as géré, mais vas-y. Au pire, si je meurs, c'est pas grave, je serais tombé pour la cause. Mort au combat, comme on dit. Ils nous suivent ou pas, les geeks? Ah, mais ça va, ils nous suivent pas, les geeks. Il y a une barre. Ah, il y a une voiture de sport. C'est à qui la voiture de sport? Ah, c'est l'hélico. L'hélico, il casse les couilles. Guillaume, je te fais confiance pour la route, hein. Parce que moi, je vois pas la route, hein. T'inquiète. Je me contente de mitrailler un putain d'hélico. Pazou peut constater de la finesse de la conduite. On dirait un rail shooter. En fait, c'est Mila qui conduit la voiture. On se fait canarder, là. Qu'est-ce qui nous canarde? C'est l'hélicoptère. Vas-y, mais tu vas voir, t'es où, ouais. Ouais, bah on est pas loin, mais t'as vu que le viseur, il s'écarte de plus en plus. Ouais. Heureusement qu'on a une... Oh, ah, ça y est, je l'ai eu, les gars. C'est bon, je l'ai eu. That was the best part, I would say. Il nous suit encore ou pas? Il nous traque. Traqué, mais pas domestiqué, c'est le mot d'ordre. Je prends les munitions et j'extrais Fisher. Yes. Et voilà, mission... Et là, c'est pas fini. Mission accomplie. Bah, on a la cinématique de fin. Ah, il faut exactement... Attends, ça va faire une référence à Metal Gear. It's Karen today. You look like you've clocked some miles since we last spoke. Yeah, a few I've heard they don't make them like me anymore. There was this other guy, though, army infiltration. He wore a bandana or something. I heard he finally retired. Really? Yep. That was the best part, I would say. It's only me.